que vous allez bien. Bon, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau haul. Donc, comme je vous l'expliquais dans mes précédentes vidéos, pendant l'année 2021, j'ai pris beaucoup de poids, c'est-à-dire 20 kilos. Actuellement, je pèse 90 kilos. Donc, voilà, donc en 2022, voilà, j'ai vraiment décidé de plus penser à moi, etc. De toute façon, je vous l'ai déjà expliqué plein de fois. Mais en attendant, je voulais pas me punir. Et du coup, faut savoir que je ne rentre plus dans aucun de mes vêtements. Mais vraiment, genre, je ne rentre pas dedans. C'est pas que j'ai du mal à les fermer ou que je suis boudinée, c'est que ça ne rentre pas en fait. Donc du coup, pouvoir bah voilà, quand même flex, continuer à faire mes petites photos et me sentir bien tout simplement, j'ai décidé de profiter quand même pendant ce temps là de ma nouvelle taille pour pouvoir tester la gamme Shein Curve. Donc ce n'est pas du tout sponsorisé, j'ai tout acheté avec mes sous. Voilà, bah du coup j'étais à la recherche de vêtements grande taille parce que pour le coup je suis vraiment passée aux grandes tailles. Mais en tout cas voilà, là j'ai passé une big commande sur Shein Curve, histoire de vraiment refaire ma garde-robe, et je vais vous montrer tout ça. Let's go! Ce soir elle veut danser, ce soir y'a de quoi, prisonnier de penser, ce soir je veux voir, j'ai arrêté d'y penser, maintenant faut y croire, dans ce monde faut chercher plaisir, faut se battre pour sa part. Alors on commence par cet ensemble que j'aime trop, donc je l'ai pris en taille 48. Et l'ensemble, donc la veste et le short, le tout ça m'a coûté 22,10€. Sachant que sur Shein il y a tout le temps des promotions encore une fois. Donc voilà, il y a toujours moyen de payer moins cher. Et je suis archi fan de cet ensemble, je le trouve vraiment trop beau. Et le col roulé aussi que j'ai en haut, d'ailleurs je l'ai pris sur Shein. Donc lui j'ai pris en taille 44 et il m'a coûté 11,90€. Donc je suis super fan. Alors on a juste le short en bas qui est un peu grand pour moi, donc pour qu'il soit bien arrivé au niveau de la taille. Voilà, je préfère comme ça. Et du coup je mets, bon là j'ai mis une pince, une vieille pince, mais bon voilà. Là pour le coup ça serait mieux que, enfin ça serait bien que je mette une épingle. Sinon il tombe un peu quand même, j'avoue que 48 j'ai un peu forcé. Mais ce genre d'ensemble là j'aime bien quand il y a un côté oversize. Et en fait c'est ça le souci. Par exemple Shein, j'avais pris la dernière fois des vêtements en taille L et je rentre dedans, mais c'était beaucoup trop boudiné. Ça avait pas du tout l'effet oversize que je voulais. Donc c'est pour ça que là j'ai beaucoup oversizé les vêtements. C'est parce que je veux vraiment un côté large, effet large en fait. Donc vu que moi-même je suis devenue un peu large. Mais waouh, tu vois là quand c'est bien ceinturé, mais hey, j'aime trop, je trouve ça tellement beau. Avec des petits collants, des petites bottines et tout. Mais incroyable, incroyable. Je pense que ce haul, on peut même dire que je change de style, parce que c'est pas du tout mon style habituel. Mais je valide trop la tenue. Eh, non franchement, voilà, on voit mon petit truc, mais c'est tellement beau. Excusez-moi, c'est trop, ça m'émeut. L'ensemble, la matière, elle est vraiment bien. Elle est doublée d'ailleurs, donc il y a une doublure dedans. Elle est vraiment épaisse et tout. Franchement, la matière de l'ensemble, 10 sur 10. Le col roulé, ah j'ai même pas vu, mais il est quand même un tout petit peu sauté sur moi, hein. Tu vois, genre c'est pas des longues manches. Et le col roulé, en dessous j'ai un soutien-gorge orange. Et en tout cas moi dans le miroir je le vois très légèrement, mais je le vois quand même. Donc voilà, et je l'ai pris en taille 44 le col roulé. Et ça me va parfaitement bien. Alors on a celui-là que j'aime trop. Trop beau, dites-vous que lui je me retiens. En plus il sent trop bon, enfin il sent bon parce que j'ai mis parce que j'ai mis des trucs qui sentent bon dans les vêtements. Mais il est incroyable. Dites-vous que lui je m'empêche de le porter pour la vidéo, parce que je me suis dit si je le tâche, après j'aurai trop le seum. Mais carrément j'ai, hey, là là, si je fais pas une photo Instagram dans la minute, non. Alors je l'ai pris en 46 et en blanc à 12,32€. Et la vérité que j'aurais pu le prendre encore plus large que ça. J'aurais vraiment pu le prendre en 48, parce que là je lève les bras, on voit mon soutien-gorge. Et même au niveau du short, j'espérais qu'il soit quand même un peu plus oversize que ça. Tu vois, je le trouve quand même encore un peu... Enfin, il est pas serré. Mais encore une fois, je voulais vraiment l'effet oversize. Et voilà. Trop beau. Et c'est une vraie matière peluche. C'est pas léger ou quoi. Là, là, quand Ruben il va rentrer, je vais être habillée comme ça. Là, il va kiffer. Il va dire... En fait, c'est pas sexy, mais en même temps, t'es bien mignonne avec. Je sais pas si tu vois un peu le délire que je veux dire, en fait. Alors, bon, là, je vous avoue que votre copine, elle est un peu en roue libre. J'ai un peu abusé du bail. Mais je vous explique. Attendez, déjà le pantalon, sachez qu'il m'est revenu à 8,50€ avec les promos. Et voilà en fait, il n'était plus qu'en 50 ou 52. Donc j'ai pris en 50 et bon bah bien évidemment c'est trop grand pour moi. On va refaire l'astuce de la pince. J'avoue que là c'est un gros coup de pince même qu'il faut.
Mais sinon, il y a une autre astuce où genre en gros, on prend un lacet, on passe le lacet dans les deux petites sangles et on serre comme ça. Parce que là, je mets la pince pour la vidéo, mais genre si je sors dans la rue, je ferai plus la technique du lacet. Et le col roulé aussi, je l'ai pris sur Shein, donc bah voilà, j'ai repris genre deux basiques, hein, col roulé noir, col roulé blanc. Et pardon, mais est-ce que quand même vous comprenez pourquoi est-ce que le pantalon, j'ai insisté pour le prendre? Théma, le pantalon, il est pas incroyable, genre moi je trouve qu'il est incroyable. Mais Théma, frère, Théma... Et même la qualité, enfin, je trouve que c'est une, quand même une bonne qualité. Et my god, oh, pardon, mais par contre, il est trop beau en fait. Oh, j'aime trop, j'aime trop. Non, pardon, pardon, pardon. Non, mais en fait, des fois, je me dis dans mes vlogs là, je me gâche. Dans mes vlogs, je me gâche parce que j'ai toujours une tête de folle furieuse dans mes vlogs. Alors que, ouais, j'étais moi. T'es moi le potentiel de la personne. Mais dans mes vlogs là je suis toujours en mode non pardon, faut que je me raisonne là pour mes vlogs. Parce que je peux pas me saccager comme ça. Alors que quand je fais un peu d'effort, je peux être mignonne. Mal mignonne même. Je sais pas si j'ai besoin de parler en fait, ou si l'image est suffisante. Bon, le col roulé encore une fois là, je trouve les manches elles sont un peu sautées quoi. Elles sont juste. Pardon. Non attendez. C'est pas incroyable. L'ensemble n'est pas incroyable. Mais c'est vraiment tout doux, épais, enfin, c'est vraiment hiver quoi. Et excusez-moi, mais l'ensemble est incroyable. En plus, moi, il faut savoir que je ne mets jamais de jupe. Je sais pas pourquoi. Autant les shorts, il n'y a pas de souci, mais les jupes, je sais pas, j'ai toujours l'impression qu'on va voir mes fesses et tout. Mais pardon, mais c'est trop beau. C'est incroyable. C'est waouh. Waouh, waouh, waouh. Non. Désolée, je regarde pas là parce qu'il y a mon miroir, mais hé. Alors cet ensemble, il est à 12,32€, donc le haut plus le bas. Et je l'ai pris en taille 46 et bah, au niveau de la taille, c'est ça. Hein. C'est parfait parce que là, franchement, si je mets une épingle, c'est que je force. Enfin, il n'y a pas non plus d'épingle à mettre. Voilà, faut pas besoin. En plus là, j'ai bien mangé, donc mon ventre est bien rempli. Donc ça sert bien le truc, quoi. Et en haut, on a ce petit... Oh, incroyable. Alors. Là, nous sommes sur un petit short. Voilà, de tennis girl. Et c'est pas en fait, je sais pas. Quand je l'ai vu, je me suis dit pourquoi pas. Faudrait que je réfléchisse à comment l'accorder, l'accessoiriser. Mais du coup, en fait, on dirait que c'est une jupe, mais c'est un short. Et voilà, c'est vrai que c'est pas dans mon style habituel. Mais je me dis que bien habillé, ça peut vraiment, vraiment envoyer. Après, franchement, je trouve la matière assez fine pour le coup. Et lui, il m'a coûté 12,32€ et je l'ai pris en taille 44. Et il faut savoir que derrière, en fait, la sangle, elle est extensible. Ça, c'est le style que j'avais en tête. Maintenant, là, quand je regarde, j'en ai marre. Quand t'essayes de faire un truc, tu l'as en tête. Dans ta tête, c'est incroyable. Et quand tu l'essayes, c'est bof. Je pense que vous comprenez le style que je voulais faire, mais je sais pas pourquoi ça marche pas là. C'est pas ce à quoi je m'attendais. Ou alors faudrait que je rentre la chemise dedans. Mais du coup ça perd de son charme genre. Voilà la limite, mais... Je suis énervée là, bref. En tout cas, le seul article qui vient de chez Shein, là c'est le short en fait. Un petit short comme ça en simili-cuir. Bon, si c'est pas avec ça, dans ce cas-là, avec un col roulé noir ou même blanc, enfin, voilà, des cuissards, des collants et ça le fait. Et le short, franchement, pour du simili cuir, je trouve vraiment fin. Tu vois, genre là, pour le coup, voilà, ils ont pas fait beaucoup d'efforts. Mais ouais, franchement, au niveau de la matière, peut mieux faire. Et du coup, le short, je l'ai pris en taille 48 et il m'a coûté 8€. Alors, là, les gars... Là on peut m'appeler madame, en fait, c'est incroyable, il est super beau franchement, wow. Après le défaut c'est que c'est extrêmement fin, le pantalon est d'une finesse. Et le blazer franchement ce qui lui manque c'est quand même une légère structure au niveau des épaules. Parce que là du coup c'est quand même très tombant, ça me dérange pas totalement mais on va dire que ça aurait été parfait comme ça. Mais comment vous dire que... Je vais quand même le porter de fou et waouh. En fait c'est ça quand je vous disais que voilà j'ai pas envie de me punir. J'ai pris du poids et pour moi c'est important en fait d'accepter son corps dans toutes ses formes en fait. Ça veut pas dire que je vais pas essayer de perdre du poids, ça veut pas dire que je vais pas essayer de plus m'entretenir etc. Mais ça veut juste dire que j'ai pas de la haine envers moi, envers ma morphologie, envers mon corps parce qu'il est plus gras ou moins gras ou quoi. En fait c'est vraiment ça, je trouve l'important c'est la paix frère, c'est la paix intérieure. Et c'est important d'être en paix avec soi-même. Et voilà, et là je me regarde, je me sens belle, je me sens femme. Et c'est important, voilà, c'est vraiment ce que je voulais vous dire, que
prise de peau ou pas, ça m'empêche pas de slay, ça m'empêche pas de vouloir me sentir bien dans mes vêtements. Et aujourd'hui c'est possible. Aujourd'hui tu peux avoir une grande taille et trouver des marques chez qui t'habiller, c'est possible. Voilà, c'est aussi le message que je voulais transmettre. Parce que mon frère, si là je suis pas magnifique. Non mais excusez-moi, mais je vous jure, moi je me trouve incroyable, vraiment. Alors je l'ai pris en taille 46. Ah oui, ce qui est bien aussi au niveau du pantalon, c'est qu'il a une sangle élastique. Dites-vous que carrément le pantalon, j'ai pu l'enfiler sans ouvrir le bouton. Et l'ensemble m'a coûté 22,52€. Très basique, hein, mais j'ai pris un petit short comme ça pour rester à la maison, tranquille, gris. Mais encore une fois, le fait que je puisse le prendre super large, c'est ça qui m'intéressait. Donc il m'a coûté 3,40€ pour vous dire, et je l'ai pris en taille 50. J'ai forcé, on peut dire, mais de l'autre côté, au final, il est bien, quoi. Tu vois, il est large. Encore une fois, les shorts où t'es à la maison, tu t'assois, ça te serre la cocotte, ça te serre les cuisses. No way. Et là je l'ai pris en taille 50 et il a cet effet un peu large que je voulais, quoi. Alors ensuite on a ce short là. Et d'ailleurs je suis agréablement surprise parce que quand j'ai vu le short je me suis dit ça c'est mort, je vais le renvoyer. Il est trop laid et il m'avait l'air trop court, ou il est un peu court. Mais bah en fait je retire ce que j'ai dit parce que bon je l'ai pris super large et ouais hein, franchement au niveau des fesses je sais pas. Mais ah non, je vous jure là, je m'étais préparée à descendre le short. Et en fait, une fois porté, j'aime bien. J'ai pris en taille 46 et il m'a coûté 5,95€. Et bah, bonne surprise au final, franchement, j'aime bien. Alors, on passe à cet ensemble-là. Alors, le truc, c'est qu'il faudrait que je trouve un soutif bien avec lequel le mettre. Je sais pas, parce que les bretelles sont tellement fines. Et ça, le problème, c'est que comme c'est court, moi, si je mets pas de soutif, on voit mes seins, en fait. Enfin, mes seins vont dépasser. Tu vois, on pourrait voir le bout de mes tétons, là. Vu que j'ai pas de maintien dans la poitrine, donc... Mais j'aimais trop la vibe, le délire. Je vous explique, moi, avec ma poitrine, les hauts type corset, bah je peux pas en mettre en fait parce que mes seins ne rentrent pas. Alors lui il m'a coûté 15,30€, donc l'ensemble. Le haut est super léger, le pantalon aussi, mais le haut c'est abusé. J'ai pris en taille 46 et par contre j'aime trop la vibe, genre j'aime trop. Bah, j'ai mon soutif qui me fait mal. Pas très fan. Quand j'ai vu sur la mannequin, je me suis dit wow. Mais quand je vois sur moi, j'avoue, j'ai pas la même réaction. Je suis pas sûre. En tout cas, j'ai eu l'ensemble pour 9,77€. Et je l'ai pris en taille 46. Bah ouais. Dites-moi vous ce que vous en pensez, mais je crois que je suis pas très fan. Hein. Je suis deg, mais bref, c'est comme ça. Alors, on se retrouve pour le dernier article. Et pas des moindres, il est magnifique. Trop beau. En plus, je me suis dit, enfin, en fait, là, j'ai pris des trucs que j'ose pas d'habitude prendre avec ma poitrine. Parce que je me suis dit, vu les tailles que je prends, là, par contre, mes seins, ils doivent quand même rentrer dans les vêtements, tu vois. Et franchement, bah, lui, j'aime beaucoup. Après, je vous avoue que là, ça tire sur une toute petite ficelle et tout. À peine je le mets, j'ai déjà mal aux épaules. Donc je sais que c'est pas du tout un truc que je pourrais tenir longtemps, quoi. Parce que le fait que ma poitrine, vu le poids qu'elle doit peser, à mon avis, elle pèse lourd. Elle tient sur une petite ficelle comme ça. En plus, au début, je m'étais trompée et je l'avais mis... J'avais accroché en fait les lanières au cou et laisse tomber. Mais j'allais décéder. Enfin, ça me faisait trop mal. Donc voilà, sur le papier, c'est joli. Genre en vacances et tout, mais... incroyable, j'aime trop même le motif et tout, je trouve ça change, ça me va bien, enfin j'aime bien. Maintenant le haut, voilà, avec la poitrine, vu comment elle est lourde, bah je pourrais pas la porter longtemps. Et pareil le chemisier, j'aime trop, tu peux le porter de plein de manières différentes. Aussi la chemise, tu peux la mettre et tu fais un nœud comme ça. Non franchement cet ensemble là est très joli, franchement l'ensemble 10 sur 10. Et du coup, il m'a coûté 29,75€ et je l'ai eu en taille 48. Incredible! Voilà, et juste, bah, vous voyez que le haut souffre avec ma poitrine, vu comment il remonte haut. Enfin, Théma, la différence entre là et après comment ça dégringole là pour pouvoir soutenir le bail. Donc voilà, mais franchement, waouh! Donc du coup voilà, c'en est terminé pour ce haul. J'espère vraiment que la vidéo vous a plu, que ça a pu vous donner des idées. J'ai presque envie de dire, j'ai l'impression que je m'habille mieux en taille, en grande taille qu'en taille normale, mon frère. Genre vraiment, je trouve que c'est un de mes meilleurs
meilleur haul, genre en termes de vêtements, de trouvailles et tout. Je trouve que c'est vraiment un des meilleurs hauls. Genre, je trouve ça incroyable et tout, les vêtements. J'ai trop kiffé. Enfin, j'ai trop kiffé. Donc voilà, en tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Moi, j'adore quand vous notez les vêtements un par un. Après, j'avoue, du coup, j'aurais dû vous le dire en début de vidéo. Et voilà, donc je vous fais plein de bisous. Et on se retrouve dimanche pour un nouveau vlog. Ciao, ciao. On soit pas dit moi.